Ah oui, il y a un clic droit. J'ai fait zapper ce détail. Je vais te la mettre. Ah bah non. Si. Oh bah ça l'a pas tué. Voilà, 3000 d'XP qui rapporte le bonhomme. Il faut que je m'en débarrasse. Gardien de Lynchwood pour l'acheter. Ce con se fout de rien. L'iridium qui sort de là. Il a jamais cru à la malédiction. Oh la vache. Il va avoir la surprise. Ok, Wilgo, bon courage. Wilgo, il va aussi acheter le 3. Il l'a acheté sur console, malheureusement. Aïe. J'avais hésité sur console aussi, mais. Bah, j'ai le 1 et le 2 sur console, personnellement, parce que. Ouais, bah. J'avais le screen, 1, tu sais. 1, 2 pré-sequel sur console et. J'ai repris le 2 sur PC. Parce que. C'est parce bon. Que le 2, quoi. Voilà. Ah non, mais moi, je suis un grand fan. Je suis un très très grand fan de la série. C'est mon pompe. Coucou. J'ai bouffé les pieds, quoi. Il s'en marre. Oh, il y a lui légendaire qui est tombé. Oh bah c'est génial ça. Murdering Slaga. Il est mieux que le mien en plus. Écoute. Ah, il envoie des petites bouboules. Rigolo. Ah bah pour ramasser les coups de calamité, faut partir à Lynchwood. J'y ai encore jamais été. Enfin dans cette partie là. J'ai pris un bonbon au passage, j'aurais peut-être pas dû. Ça doit être au-dessus. L'assistant Winger. Quand t'as pas de bol, tu sais, tu fais tout le tour du magin et en fait non. La fameuse chance. Ah non mais moi c'est terrible. Si tu me connais pas, c'est la première fois que tu viens, tu vas apprendre que j'ai un karma de merde, mais un karma tellement moisi qui me punit. Dans les 10 secondes après que j'ai fait ma connerie. Ouais, j'empêche une personne d'ouvrir une porte, par exemple. Eh ben, je vais me prendre une balle venue de nulle part, pleine tête, qui va m'achever instantanément, qui va me monter tout mon bouclier, toute ma vie. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, mais ça va arriver comme ça. J'ai vraiment un karma moisi. Oh. Je vois pas ce qu'elle a de plus que les autres. L'arme. Bah, oh, la merde. Plus, j'en ai. Oui, oui, c'est tout. Hein. Ça va pas plus loin. J'ai des pieds, mais... Ah, putain. J'ai été stupide. T'inquiète. Oh, je me prends une balle, je meurs. Ah bah, ça a été définitif d'ailleurs. Non, mais... Ça en est quasi... Ah mais oui. Mais Lynchwood, c'est une zone qui scale. De mémoire. Du coup, ça se trouve, on a affronté des niveaux 20 tout à l'heure, mais là, on affronte des niveaux 26. Donc, c'est pas la même confiance, quoi. La merde, alors il est où ? C'est ça, à 200%. Le shérif m'a chargé. Moi, l'assistant Winger, je savais que ça serait pas si simple. Tous les châtiments individuels, à tous les châtiments, à 283 lois. Oh, enfoiré. Trouve des quoi?
T'as clairement mieux compris. D'accord. Ça va chier. Mon gun fait mal, hein. Dis donc. Tu vois, j'ai enregistré une vidéo un peu plus tôt là. Où j'explique pourquoi, enfin, pourquoi j'ai fait ce build là. Avec un build qui sera orienté. Enfin, c'est pas vraiment qu'il a, il a pas vraiment une orientation de gameplay vu que c'est du théorie crafting, on n'a pas encore d'infos sur les armes et tout ça. La seule orientation qu'il y a, c'est le fait que je vais optimiser l'utilisation de mes compétences. Avec de quoi réduire les. Ok. Qu'est-ce qui m'a tué et comment ça m'a tué? T'as une gueule à tirer la chevrotine. Je peux grimper? Merci. Oh bah, tant pis. Mais grosso modo, j'ai orienté tout le build autour de la réduction de latence pour pouvoir vraiment spammer les compétences. A voir si c'est efficace ou pas, mais bon. De toute façon, on le saura qu'une fois. Voilà, jeu. C'est ça. T'as l'intention de remuer quand je te tirerai dessus? Ouais. Récupère vite fait la quête à côté. Ah oui, c'est avec le petit Skag. Tu pourrais peut-être le libérer en faisant sauter sa chaîne. Pauvre petit, il a l'air blessé. Sa maman l'a sûrement abandonné ou un truc comme ça. Normalement, c'est direct un pruneau dans la gueule. Il est si mignon. Tu pourrais lui trouver un médicament pour qu'il arrête de faire ses bruits à vous briser le cœur. Plusieurs d'entre vous ont appris que le beau Jack est mon fiancé. Si vous croyez... Ok, on lui donne les médocs. Du régal. Du canigou, quoi. T'as joué à Fallout 76 ou pas, toi? Ah non, pas au 76. Je voulais l'acheter et après j'ai vu toutes les critiques, j'ai regardé quelques vidéos et j'ai coupé la chic. J'essaie d'acheter une clé vite fait là parce que ça fait des trucs en faire en plus. Je voulais essayer un petit peu le jeu en attendant. J'ai acheté sur Instant Gaming et en fait j'ai appris que il y a une double sécurité. En fait t'as aucune clé qui est. Même les clés achetées en France, grosso modo elles sont plus actives. Après les. Après les comment les mauvaises critiques, toutes les clés les clés achetées hors Bethesda.net sont inactives en fait. C'est dommage parce que pour pouvoir acheter une clé moins chère, le tester et imaginons qu'il y ait eu des mises à jour de fait qui soient correctes dessus, bah c'est le meilleur choix à faire, c'est d'avoir des clés à moins chères pour que les gens puissent essayer quoi. Ouais. Enfin bon. Je t'aurai. Voilà. Je suis derrière toi. Hein. Ok, très bien. Du miam. Oh, encore un shotgun. Est-ce qu'il est mieux ou moins bien que le mien? Moins bien. Oh! L'enculé! Ce timing!
Je vais en avoir un, t'inquiète. Normalement. Non, bah non, je vais pas en avoir. À moins que... Si, j'ai réussi. Ah putain! Karma de merde! Hop, je vais juste regarder où est l'écho, s'il est sur un ou pas. Ah bah il est en haut. Hop, d'argent. T'as oublié quelque chose ici. De la bouffe. Ah il était ici? Ah bah merde. J'ai cru qu'il était en haut avec l'écho. Oh, du blanc. C'est triste. Oh, ça touche pas! Pourquoi ça touche pas? On est tous au courant maintenant. Comme ça, c'est... Si jamais t'avais des doutes. Jamais. Hop là. Faut que je m'en débarrasse. Oh, une caisse. Et ouais, donc aussi, parce que j'arrête pas de parler du troisième opus, mais Twitch a mis en place une super application qui te permet, quand tu ouvres un coffre, toi, en tant que joueur, de partager du loot avec une personne au hasard dans le chat. C'est-à-dire que si elle a le jeu, elle se connecte avec l'application. Et quand tu ouvres le coffre, bah, ça fait une espèce de loto, une des personnes pourra avoir du loot venant du coffre. Ah ouais, bah putain. C'est vraiment bien fichu, je trouve. Et c'est pour ça que du coup j'enregistre en fait directement sur Twitch. Je m'habitue à ça, en plus j'ai depuis très récemment la fibre, du coup je peux vraiment streamer en haute qualité. Normalement. Normalement la qualité est très bonne. Ah. J'ai réussi à passer. Je pense qu'il faut leur donner la bouffe aux chiens, j'imagine. Ouais. C'est sur la route, non. Forcément. Je vais décéder dans deux. Hein. Tu vas y avoir moi. Parce que forcément, quand je tire sur le mec, il y a un, comment, un baril juste à côté. Du coup, t'as vraiment rien vu sur le troisième opus? Non, j'ai essayé de moins me... histoire de bien le découvrir. Je vais essayer de rien dire, alors. En tout cas, au niveau de l'histoire. Mais du coup, bah... Ouais, l'histoire, non, le moins possible, ça m'arrangerait. Mais du coup, je vais quand même me renseigner sur les compétences, tout ça, parce que tu m'as quand même donné bien envie. Ah bah, il y a surtout un truc qui a fait... parce que du coup, ouais, c'est pas... Et ils ont fait un stream... Oh, il est beau. Je l'avais zappé. Ah non, le stream, je l'ai pas vu. Ils ont fait un stream avec présentation de gameplay, tout ça. Et il y a une nouveauté de la mort qui est arrivée, mais qui va être assez épique. Je sais pas si j'entends parler, c'est pas de l'histoire. C'est vraiment du pur gameplay. Et t'as pensé à dans une nouveauté. Ah, une nouveauté de gameplay. Qui est épique de la mort qui tue en fait. Et tu l'apprends dans le jeu au bout de quoi? 1 minute 30, 2 minutes, j'imagine. Parce qu'en fait, comme ils t'ont montré le début du jeu dans le stream. Donc je sais pas si je peux t'en parler ou pas. Vas-y. Je vois que t'en meurs dans... Ah bah j'aime bien parler d'un jeu parce qu'en fait en règle générale quand le jeu me plaît... Ça se sent. Ça se sent, voilà, c'est ça, je peux pas le cacher. Grosso modo, tu vas avoir un double tir sur les armes. Oh. C'est-à-dire que ton pistolet qui tire des balles, bah parfois... si t'appuies sur l'autre touche... Au lieu de tirer des balles, il va par exemple envoyer des grenades ou tirer par rafale. Une seconde catégorie de tir en fait. Ah oui, donc ça va. Ah oui, il change vraiment bien le. Ah, il rajoute toujours des trucs en fait. De jeu, quoi. Ah, ça va. Et ce sera sur une bonne partie des guns apparemment. Parce que c'est ma belle gueule qui m'a valu cette ville en cadeau de mon père.
Les langues de Skag. Yam. Salut Nico, comment tu vas? Bienvenue sur le stream. Ah oui, la foreuse. Ok, ce flingue ne fait pas de dégâts, ou alors ses ennemis est bugué. Il y aurait bien un peu des deux. Ah. Non. Il est pas bugué du tout. Bon bah, je fais pas de dégâts alors. Arrête de bouger. Ah. Ça aide. T'as repris les cours quoi. Ouais, toutes mes condoléances. Non, ils sont buggés les ennemis, ils bougent pas. Ils m'attaquent pas. Sérieusement? Ah ouais. Bah tu vois bien qu'ils bougent pas quand je... Bah j'avais pas fait gaffe en fait. Il y en a un qui me balance des trucs de l'autre bout du... Donc, est-ce qu'il y a des choses que je t'ai pas dit? Skin d'armes. Non. Rien en rapport avec l'histoire, du coup. Faut que je fasse attention. En termes de nouveautés, en dehors de tout ça, je vois pas d'autres choses. Enfin, 4 nouveaux personnages. Alors, apparemment, cette fois-ci, ils vont pas rajouter de personnages en. En DLC? En DLC. Ils préfèrent se contenter des personnages qu'il y a déjà. Au niveau de l'histoire, sans spoiler, hein, c'est pas du spoiler que je vais te dire, c'est est-ce que t'as fait les Tales from Borderlands? Non, pas du tout. Parce que ça va reprendre une partie de cette histoire-là. J'étais pas prête. Pas reprendre une partie de l'histoire, mais ça va... L'histoire est canon, en fait, tu vois. Voilà, elle est canon, c'est-à-dire qu'elle fait partie vraiment de la saga originale. Donc on va retrouver des personnages de ces jeux-là. Le monde se dévoile et les faiblesses m'apparaissent au travail. En dehors de ça, oui, on a envie d'aller prendre le lac. Tu vas prendre quelle version de Borderlands 3? Alors, sache que j'ai déjà préco la version de la mort qui tue qui fait très très mal au cul, hein, qui a 100 boules. Et j'ai la chance d'avoir aussi, ce qui est pas très commun en France, normalement, je vais l'avoir. En tout cas, j'harcèle le support pour l'avoir, pour être sûr que je l'aurai, pardon. La version... La grosse boîte de loot, tu sais. La grosse boîte en plastique, Nico. Avec des figurines, des machins dedans. Bon, même si ça, elle vaut pas le prix auquel je vais l'acheter, mais... Donc voilà. Pourquoi? As-tu des questions à poser, Nico? Et bien sûr, c'est sur la version PC que j'ai pris. Trouver des laxatifs. Ça te tente? Ouais, mais pour tourner là où il y a le chien, donc autant... Ah, ouais. Bah le chien, le Skag, donc... Ah maintenant bah c'est bon, en fait on peut y aller, j'ai rien dit. J'ai cru qu'il nous en manquait, mais pas du tout. Non mais je veux dire, là t'es sur le chien. Ah mais j'ai cru qu'il fallait ramasser d'abord les langues de Skag, mais c'est bon, on les a tous. 3h10, boum boum, on l'a oublié à gauche. Ah bah c'est sur le chemin, donc nickel, allez hop. Et après faut retrouver ta raison. Parti pour 3h10, boum boum. En fait, c'est pas tant qu'elle est stylée, c'est qu'en fait, il y a eu tout un bordel dessus au niveau de cette édition-là. C'est-à-dire que ils ont balancé les commandes de l'édition collector, enfin de l'édition Diamond Lootbox, ils appellent ça, je crois.
le jour où ils ont annoncé le jeu, tout le monde s'est rué dessus. Et après, en fait, on a appris, je crois que c'est quelques jours après, on a appris que cette édition-là était disponible qu'aux États-Unis. Donc les gens qui avaient préco se retrouvaient avec des annulations de chez Amazon, parce qu'Amazon a annulé tout ça le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, chez nous, on a une version sans le jeu qui est sortie. Enfin, qui va sortir ou qui est sortie quelques jours après. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir tout le contenu physique de la lootbox, mais pas le jeu, ni la steelbox, steelcase. Et en plus, cette version-là ne sort pas pour la version PC du jeu. Elle sort que pour les versions consoles. Donc voilà, voilà où était le problème. Donc en fait, ça fait que cette version, entre guillemets, Diamond Lootbox que je vais avoir, là, donc la caisse, est assez peu commune parce qu'en plus, dès qu'elles ont été annoncées, elles ont toutes été achetées des one, quoi. Et là, il y a eu apparemment quelques dizaines de boîtes qui ont été rebalancées chez Micromania, je crois, il y a quelques jours. Donc c'est assez tendu. Alors sache aussi que le 3 aura un plus gros endgame, donc du coup, même quand tu auras fini l'histoire, quand tu auras refini l'histoire en New Game Plus pour avoir le level maximum, tu auras encore du challenge derrière, normalement. Mais son toutou, son petit chiot tout marron, quand j'ai commencé à l'étrangler... Je goûte ton odeur, c'est ce qu'il a dit. C'était à peine si j'entendais les... Aucune idée. Je les écoute plus, j'ai pas fait gaffe. Ouais, c'est ça. j'ai même pas fait gaffe, ça aurait pu être drôle, mais... Aïe! Ah! Ici il y a un petit coffre si jamais ça t'intéresse. Ah! J'ai été one shot par un rat de labo. Attends, c'est bon, ça va le faire. Mais c'est surtout que moi j'ai remplacé mon arme par un sniper. Non, mais t'inquiète pas, y'a pas de soucis. Je m'en sors. Cambric a échappé à notre surveillance. Il a retrouvé la trace du type qui avait livré New Haven à Hyperion. Un certain Chip Sanders. Brick lui a crevé les yeux avec les pouces et lui a fendu le crâne en deux, comme un œuf. Le pauvre Chip hurlait pour que ça s'arrête. Tu m'étonnes. Comment il hurle avec le crâne fondu en deux ? Vous, les chasseurs de l'arche. Attends, logique dans un jeu vidéo. Comment il hurle avec le crâne fondu ? Non, c'est le chien qui avait le crâne fondu en deux et du merde. Coup... Attends, je vais la voir. Oh, y'a pas de soucis. Voilà. Ça se permet de récupérer de la santé au passage.